Le chef du bureau régional de l'agence ivoirienne de presse de Bondoukou, Nyanyeli Memel Franck, a reçu les clés de son nouveau véhicule de service vendredi 12 avril 2024 au siège de l'agence à Abidjan Plateau, en présence de la directrice centrale, Mme Barissana Oumou, et du sous-directeur de l'information, M. Kwao Pascal. Remettant les clés du véhicule au chef du bureau régional, Mme Barissana Oumou lui a demandé de s'en servir dans le cadre du travail et d'en faire bon usage. Je lui demande de gérer ce véhicule en bon père de famille, comme on le dit en droit, ça veut dire qu'il doit prendre soin de son matériel. C'est un matériel qui va lui permettre de sillonner ville et hameaux de son département pour nous apporter la bonne information au service de la population ivoirienne. Donc on compte sur lui et ce matériel sera remis à son supérieur hiérarchique, qui est le sous-directeur de l'information et qui va lui transmettre les clés du nouveau véhicule. Monsieur Kwao Pascal a également demandé aux bénéficiaires de se mettre au travail pour accroître ses productions. Dans le cadre du programme, budget programme de l'AIP et le renforcement des capacités opérationnelles, la directrice vous remet un nouveau véhicule pour que vous puissiez renforcer vos productions, surtout en qualité, mais aussi en quantité. Quant aux bénéficiaires, il a promis de donner bonne suite aux attentes de la hiérarchie. Je tiens à remercier déjà la directrice. Je tiens aussi à remercier le sous-directeur, M. Kwao, et rassurer que j'en ferai bon usage et tenterai d'être à la hauteur de la tâche dans la ville de Bondoukou. Cette remise s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc auto de l'agence ivoirienne de presse en ce qui concerne les véhicules de plus de 8 ans. Bondoukou est la première étape de ce processus.